fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mercredi de la quatrième semaine du temps de carême, année liturgique B. Semaine de l'éther et fils et filles du bon Dieu, grâce après grâce, joie après joie, c'est Seigneur qui la donne et qui donne en chacun de nous pour l'épanouissement de notre vie. C'est Jésus de Nazareth, le doux rêveur de Galilée, comme le prétendait Renan. Le révolutionnaire que les idéologues plus récents voudraient annexer. L'évangile donne sans doute la meilleure réponse par ces simples mots. Il est le Fils. Alors sa mission apparemment banale revêt soudain une importance extrême, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce les merveilles de vie qui marquent le royaume inauguré. Le Fils donne la vie aux morts. D'ailleurs, dans Isaïe, d'abord, le chapitre 49, versets 8 à 15, Isaïe promettait déjà ses biens messianiques pour le retour de l'exil. Oui, Dieu se fera le guide de son peuple. C'est Dieu lui-même qui, dans la vision prophétique, doit prendre la tête de son peuple exilé pour le ramener dans un pays fertile. Oui, n'a-t-il pas envers les siens plus de tendresse qu'une mère pour ses enfants? Oui, fils et filles du bon Dieu, le texte nous dit « Au temps favorable, je te répondrai. Au jour du salut, je viendrai à ton secours. » Oui, fils et filles du bon Dieu, nous savons que l'ensemble de la population juive entre l'an 587 et l'an 538 avant Jésus-Christ fut déportée à Babylone, l'exil à Babylone, loin de sa patrie. Cette expérience tragique fut l'objet de nombreuses réflexions. Les prophètes y virent le symbole du destin de l'humanité. Nous sommes nous aussi des captifs. Par le péché, nous sommes en exil, fils et filles du bon Dieu. Le péché est une sorte d'esclavage. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer. Nous attendons notre libération. Oui, prendre le temps, une fois encore, d'éprouver nos limites. Mes limites, mes chaînes, mes contraintes. Pour offrir cela entre les mains de Dieu. Afin d'entendre en vérité l'annonce de ma libération. Au temps favorable, je te répondrai, dit Dieu. Au jour du salut, je viendrai à ton secours. Oui, le Seigneur veut venir en secours à chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Je t'ai formé pour relever le pays, pour rebâtir les terres dévastées, pour dire aux prisonniers, sortez. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Soleil et vent brûlant ne les frapperont plus. Oui, le Seigneur est protecteur, fils et filles du bon Dieu. Image qui parle encore à ceux qui ont connu la déportation ou la captivité. Annonce de bonheur, annonce de liberté, parce que le Seigneur veut restaurer ta vie. Annonce du royaume de Dieu où il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni souffrance, ni mort. Ô Seigneur, fais venir ton règne au milieu de nous. Jésus a repris ces mêmes promesses. L'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux en sortiront. Oui, fils et filles du bon Dieu, le Seigneur est venu libérer chacun de nous. Nous qui sommes captivité des péchés, nous qui sommes esclaves du péché, le Seigneur est venu pour te libérer, me libérer, libérer chacun de nous. Et nous avons besoin de sa main dans le quotidien de notre vie pour être libérés, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 5, versets 17 à 30. Le Fils, maître de la vie. Oui, vivre jusqu'à ressusciter, c'est le propre de la vie de Dieu. Jésus précise sa mission. Il est l'égal de Dieu et le fait comprendre avec une clarté suffisante que pour que ses ennemis s'en indignent. Il est le Fils qui nous, non seulement, tient du Père toute sa vie, mais possède la vie du Père en sa totalité. En lui, c'est donc Dieu lui-même qui vient nous faire don de sa vie. Oui, fils et filles du bon Dieu, l'évangile selon saint Jean ne se contente pas de raconter les miracles de Jésus. Il en donne la signification, la dimension invisible. Le paralysé
vient de quitter cette piscine où il venait depuis si longtemps dans l'espérance d'une vie nouvelle. Aussitôt, une controverse naît et Jésus dévoile le sens de son geste. Les Juifs accusaient Jésus de violer le sabbat. Il leur répondit, « Mon Père travaille encore maintenant et moi aussi je travaille. » Révélation étonnante. Mot qu'il faut laisser résonner au plus profond de notre cœur. Dieu travaille, Dieu ne dort pas, Dieu est à l'ouvrage et tous les jours il travaille pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Le mot sabbat signifie repos en hébreu. Et on accusait Jésus de ne pas respecter le repos, le sabbat. Réponse de Jésus, Dieu ne cesse jamais de travailler pour que chacun de nous, nous puissions continuer à travailler, fils et filles du bon Dieu. C'est cela, être véritablement chrétien. Travailler pour plus d'amour, travailler pour plus de réconciliation, travailler pour plus de paix, travailler pour que la haine puisse reculer, pour que le règne du démon puisse reculer, parce que le démon veut s'installer de plus en plus dans notre monde d'aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Le démon veut dominer le monde. Voilà pourquoi il donne des idées à certaines personnes qui croient que non, ils sont devenus des maîtres du monde. Non, fils et filles du bon Dieu, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Oui, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera ses œuvres encore les plus grandes que celles-ci. Si bien que vous serez dans l'étonnement. Oui, le miracle du paralysé guéri annonce quelque chose de mieux. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous, ayant confiance. Oui, fils et filles du bon Dieu, ce que l'humanité attend d'essentiel, c'est bien cela, la résurrection, la restauration de chacun de nous, parce que Jésus est venu donner la vie en chacun de nous. Oui, oh, la mort fait partie de la condition humaine, mort, mouvement O, obligatoire R, du retour T à la terre. Oui, la mort fait partie de notre moment obligatoire du retour à la terre, mais Dieu seul peut nous donner une vie sans mort. Oui, telle est l'œuvre de Dieu. C'est à cela qu'il travaille, donner la vie et continuer à donner la vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, vraiment, le texte nous dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Oui, c'est la foi qui fait cela. La foi fait vivre, fils et filles du bon Dieu. Qui écoute Dieu, qui croit en lui, est branché sur Dieu, vivant de Dieu, participant de Dieu. Il a déjà la vie de Dieu, la vie éternelle. Oui, fils et filles du bon Dieu. Prions, Dieu notre Père. Nous te prions par ton Fils que tu aimes et à qui tu as remis tout le jugement parce qu'il ne cherche pas sa volonté mais la sienne. Donne-nous d'écouter aujourd'hui sa parole et de ranimer notre foi afin qu'à l'heure où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, nous ne venions pas en jugement mais passions de la mort à la vie éternelle. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, Dieu le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipe, Yayo et Tokos de mercredi en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Mettons-nous tous sur ce chemin de la restauration de notre vie par la résurrection de Jésus-Christ, fils et fille du bon Dieu. Faisons des efforts de conversion, je vous en supplie, fils et fille du bon Dieu. Changeons notre vie et soyons véritablement des chrétiens, fils et fille du bon Dieu. À quoi bon s'occuper des affaires des autres? Tu es là, tu indexes l'os alors que le pouce ne te revient, fils et fille du bon Dieu. Kipe Yayo, occupe-toi de tes affaires, fils et fille du bon Dieu. Sainte journée de grâce et de bénédiction, tout un chacun de vous. Merci Seigneur.